Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Emma. Aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing Diamantard Club. Alors ça faisait partie, je crois, de leur vente anniversaire vers fin avril. Ils nous avaient sorti énormément de toiles, donc j'avais choisi cette image. Alors, du coup, j'ai commandé le 29 avril. Ça a été expédié le 2 mai et j'ai reçu ça le 17 mai. Donc, je vais ouvrir ça et vous montrer l'image en question, savoir de laquelle il s'agit. Hop. C'est une toile en diamant carré, hein, on le voit très bien avec le dessin bleu sur le côté, sinon c'est un dessin rouge pour les diamants ronds. Hop, je vous zoome ça. Donc la toile en question, c'est celle-ci, qui s'appelle Beauté Papillon, de Christina Laure en diamant carré 51 par 64. Donc voilà la toile en question. Donc cette toile, quand je l'ai... attendez, j'essaye de dézoomer. Quand je l'ai achetée, elle était au prix de 64 euros. Donc c'est à chaque fois les prix que je vous dis, ce n'est pas les prix que j'ai payés. C'est les prix que DAC mettait la toile en vente. Ouh, trop bien. J'ai l'un des nouveaux toolkits. Hop. Et hop, la toile. Et voilà, donc là j'ai tout récupéré, je décale la boîte. Alors, on a tout d'abord le petit autocollant que moi je mets au bout des boîtes parce que vu que j'en ai pas mal, je les empile. Et le petit autocollant, ça me permet de savoir laquelle c'est. Ensuite, on a notre toolkit, donc ça c'est les nouveaux toolkits, donc tout est écrit au dos, sinon devant c'est écrit comme ça, toolkit, hein, tout simplement, comme le port-salut, je vous dirais. Donc on va regarder ce qu'il y a là-dedans. C'est dans quel sens? C'est dans ce sens-là. Oh! J'ai quelque chose que je n'avais pas encore reçu. Ça, c'est bien. Allez. Hop, hop, hop. Voilà, tout le monde est tombé. Donc, tout d'abord, j'ai le petit stylet jaune transparent avec des paillettes. Donc, celui-là, je l'ai quand même pas mal reçu. J'ai le multiplaceur de 7. Donc, ça, c'est mes multiplaceurs préférés. Les tout petits fins comme ça. Oui, il y a écrit 7 juste là. En surépaisseur. Multiplaceur de 4. C'est écrit là. Ensuite, on a tous nos sachets refermables qui sont rangés dans un seul sachet. On a notre petit pot avec nos pains de colle. Donc, il y en a deux en forme de cœur. Hop, je remets ça là-dedans. On a le petit boudin pour mettre hop sur le stylet pour que ce soit plus agréable pour les doigts, parce qu'on passe quand même des heures avec ça sur les doigts. On a notre aimant qui est une fleur rose qui est vraiment très belle. J'ai eu la fleur noire, je crois, dans la vidéo juste avant, la semaine avant que vous avez vu. Et là, je préfère la rose, c'est quand même beaucoup plus jolie. Donc vous voyez, c'est des aimants quand même assez gros, hein. Ils sont bien bien gros. Ensuite, ils m'ont mis ce washi type-ci. Alors attendez, je trouve le bout, voilà, juste là. Pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà le washi tape que j'ai reçu. Donc cet effet un peu de lierre, de nature, vous voyez, qui pousse un petit peu partout. Je trouve ça assez sympa. Puis ouais, c'est bien cordé avec la toile. Je crois que la vidéo juste avant, j'avais eu aussi un washi tape, mais je crois que ça allait pas trop avec la toile. Mais celui-là, il va super bien avec la toile. Vous voyez, il est quand même assez épais, hein. Il y a vraiment de quoi faire. Ensuite, j'ai... Oh! Elle est différente de l'autre. Donc ça, c'est la nouvelle barquette, mais là, elle est encore différente. Elle est beaucoup plus transparente. Donc, et elle est beaucoup plus fragile, à mon avis. Donc, par contre, le bouchon est le même. Il n'y a pas de différence. Vous voyez l'effet opaque qu'il y a sur le bouchon, mais il y avait le même effet sur la barquette. Là, elle est totalement différente et elle est juste plus transparente. C'est vrai que les bouchons, moi, je les utilise pas, mais ils ont le mérite d'être là et ça peut servir. Donc voilà. Ouais, pas mal. Je vais tester cette barquette-là, je vais la laisser pas très loin de moi. Et ceci que j'attendais de recevoir pour tester, donc la nouvelle pince de chez DAC. Hop, voilà. Elle est beaucoup plus fine sur le devant, elle a un dégradé de rose vers le blanc. Il y a écrit Diamantard Club dessus. Ah, elle a un petit souci de peinture là, mais c'est pas très grave. Bon, là aussi, mais bon, c'est pas très grave. Ouais, elle est souple, elle est beaucoup moins dure que la noire qu'ils avaient avant. Peut-être qu'elle est peut-être pas assez épaisse, par contre.
Là, c'est bien le fait que ce soit fin, mais c'est trop fin parce que vous voyez, à chaque fois, je fais ça. Donc, à voir. Ouais, à voir. Surtout si on fait toute la toile avec la pince, il y a moyen d'avoir mal au doigt. Vu qu'elle est quand même trop fine, mais bon, ça m'a l'air pas mal. Donc, je vais tester ça. Donc, je vais laisser ça pas très loin de là où je fais du DP pour tester tout ça. Hop, hop, et hop. Ah, je vous ai pas compté le nombre de sachets, voir s'ils nous en ont mis assez. Hop. Alors, voyons voir s'il y a assez de sachets pour cette toile. Hop. Voilà. Voilà, hop, parfait. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. J'ai 21 sachets et j'ai 39 couleurs. Donc il m'en manque quand même pas mal cette fois-ci. À voir si j'ai le même problème que pour... Enfin, problème, c'est pas vraiment un problème. Pour les deux autres vidéos précédentes, j'avais plus de couleurs que ce qui avait été marqué sur le site. Hein, ce qui est peut-être pas plus mal, c'est pas grave. Mais voir si j'ai pas la même chose. Donc du coup, il me manquerait encore plus de sachets. Hop, je vous dézoome et on va ouvrir ceci. Donc alors attendez, il faut que je mette ça de côté, que je puisse... pas de le mettre dans la boîte. Alors, voyons voir la toile. Hop, oula, le diamant se sauve. Restez à votre place. Alors, elle se déroule comment? Donc là, c'est le bas. Hop. J'ai l'impression que maintenant, il les enroule tous dans le même sens. Ça arrivait que des fois, c'était enroulé par le haut. C'est trop beau. C'est trop, trop beau. J'adore. Elle est trop belle. Hop. Donc voilà la toile. Hein. Par contre, je vais avoir énormément de blanc à poser. Là, je vais en avoir pas mal. Par contre, je vois qu'ils n'ont pas prévu le blanc le plus pétant qui soit. Le blanc blanc blanc, c'est le 5200. Là, ils m'ont prévu le blanc crème, le 3865. Mais je pense que ça ne se verra pas trop. Après, ils ont prévu aussi un blanc AB, est-ce que je vois? Donc voilà l'image. Hein. Elle est vraiment très très belle. Hein. Elle est très belle. Alors, on a notre petit fascicule, comme d'habitude, le nouveau pour apprendre à faire du DP. Vous avez un code de 10% juste là. Ça vous explique tout. Et vous avez des QR codes à utiliser. Ensuite, vous avez votre feuille de suivi avec le nom de la toile en anglais, l'artiste, quand est-ce que vous commencez, quand est-ce que vous terminez. Hop, votre image. Donc oui, elle est magnifique. Elle est vraiment très très belle. Vous avez, comme quoi elle est en carré, sa taille 51 par 64. Et vous avez votre tableau des matières numéroté DMC. N'importe quoi. Numéroté, symbole, DMC. Donc voilà tout ce qu'on a dans cette toile. Je vous ai dit quoi? 39 couleurs? Il y en a 43. Il y a un problème. Il y a un problème sur le site de DAC. Il y avait même un problème avec les prix. Il y a une toile. Ils ont mis des promos. Il y a une toile qui était à 78, 79 euros. Il marque comme quoi elle est en promo et elle est passée à 84 euros. Donc voilà, il y a un problème sur le site de DAC ces temps-ci. Après là, je suis fin mai, vous allez voir cette vidéo beaucoup plus tard. Peut-être que tout aura été réparé depuis. Donc voilà. Après, vaut mieux que ce soit une erreur dans ce sens plutôt que l'inverse. Alors, je vais sortir tout ça de son sac et on va tout regarder. Je vous reprends tout de suite. Alors, on va commencer par la couleur que je vais le plus poser. Le 3865, donc un blanc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc j'ai 7 sachets. Ensuite j'ai le 3830, le 154, le 334, le 3755, le 3835, le 815, le premier AB, le 139, un gris. Le 414, le 415 et le 3778. Ensuite, c'est celle-ci. Le 310, j'ai deux sachets. Le 3756, j'ai deux sachets. Le 3371, le 3608, le 3607,
le 939, le 707, le 718, le 3609, le 823, le 3731, le 3325 et la dernière ribambelle, on a le 355, le 915, le 127, un petit abbé beige, le 797, le 436, le 316, le 720, le 356, le 3777, le 796, le 125, un petit abbé blanc-bleu, le 126, un abbé violet, le 155, le 814, le 761, le 209, le 3350, le 327, le 819 et le 3727. Alors, je débarrasse tout ça et on va regarder où vont les abbés. Alors, les abbés de cette toile, où vont-ils? J'éteins juste voilà, cette lumière-là parce qu'elle vous fait un reflet, l'autre encore, ça va. Alors, le premier abbé, le symbole numéro 1, donc c'est le bleu-blanc. Donc, il y en a un petit peu là, dans le haut des ailes des papillons. Hop, tout ça là. Ici, ici, ici. Voilà, tous les papillons bleus. Donc ça, c'est le symbole numéro 1. Ensuite, on a le symbole numéro 2 qui est un genre de violet dans les 208-209. Il y en a tout ici dans le bas des papillons. Là dans le haut. Là dans le bas. Là dans le bas. Là dans le bas. Et c'est tout. Ensuite, le 3, donc, qui est le rose encore plus clair. Donc, il y en a là dans chaque papillon. Là aussi. Là, dans celui-ci aussi. Il y en a même dans ses antennes pour celui-ci. Il y en a même ici. Tout là, dans tout le blanc que vous voyez. Il y en a même ici. Il y en a un petit peu partout dans le papillon. Et ensuite, le 4. Donc, c'est un abbé gris. Il y en a très, très peu à poser. Donc, je vais essayer de trouver où c'est que c'est. Symbole numéro 4. Il y en a là. Il y en a là. Il y en a là, 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 là. Et voilà. Alors, ce qu'ils ont fait sur les papillons, c'est incroyable. C'est vraiment super. Hein. Comme vous voyez, tous les détails de fou. Tous les détails que vous voyez en blanc et tous les détails que vous voyez en rose clair, tous les détails que vous voyez en rose clair, c'est tout ce qu'il y a à mettre en abbé dans les papillons. Donc ça, c'est incroyable, ils ont fait un boulot de malade. Le gris, par contre, ne sert à rien. Le gris sert vraiment à rien. À la place, ils auraient dû prendre une couleur pour ses yeux. Soit ils auraient pu proposer le abbé clair, là, mettre à l'intérieur de ses yeux pour faire cette brillance. Après, il y a une petite brillance là que je vois au niveau de son maquillage. Donc ça, par contre, c'est le 819. Donc là, je ferais bien cette petite brillance au niveau de son maquillage. Mais je mettrais bien un B à l'intérieur de ses yeux pour faire le marron, le 814. Voilà, faire un petit marron. Je sais qu'il se répète sur sa peau, donc ça, c'est hors de question. Je ne mets pas de AB sur la peau. Juste voir pour mettre une petite couleur dans ses yeux. Voir si je peux faire une petite brillance sur ses lèvres. Mais alors là, je sais pas du tout comment faire. Parce qu'en fait, ça serait des petits traits. Je vais pas faire ses lèvres parce que ça va être trop compliqué. Ses ongles. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, là, c'est son... son os. Il y a des bagues juste là et là. Vous les voyez ou pas? Ouais, il y a des bagues. Donc là, elles sont définies, mais là, elles ne se referment pas. Donc, je vais voir pour essayer de les refermer. Je vais voir pour essayer de redéfinir les bagues et de voir si je peux mettre des AB à l'intérieur pour les recréer. Parce que c'est vrai qu'on ne les voit pas très bien. Le vernis qu'il y a sur ses ongles, c'est vrai qu'on ne le voit pas très très bien. C'est le E. Le E, c'est le 407, donc je vais essayer de choper le 407 et de mettre le AB sur le... Enfin, de mettre en AB sur ses ongles. Et choper le O et le A.
Le A, c'est le 3777 et le O, c'est 355. Donc, d'essayer de faire du AB dans sa bague et de refermer sa bague parce que c'est vrai qu'on ne la voit pas se fermer vraiment. En fait, ils ont mis là du 3371, donc un marron très très foncé, là pour fermer. Et en fait, ils l'ont pas mis pour refermer là. Mais il est défini sur les côtés là, mais ils l'ont pas mis pour refermer. Donc je pense que je vais refermer la bague et mettre des AB à l'intérieur pour recréer cette bague. Et je pense que ce sera tout parce que je vais faire ses yeux, ses ongles, ses bagues. Et il y a déjà pas mal dans les papillons. Au pire du pire, vraiment, si j'ai envie peut-être en faire quelques mèches dans ses cheveux, là où les papillons éclairent, mais vraiment pas les grosses zones. Vous voyez, par exemple, là, une grosse zone de haine. Non, ça fera trop. Les petites mèches là qu'on voit là, là par exemple, là aussi, on voit des petites mèches qui s'éclairent. Là après, ça fait une énorme zone qui s'éclaire, mais ça ferait beaucoup trop. Là pareil, c'est des zones qui s'éclairent. Donc non, peut-être au pire, rajouter les petites mèches. Mais les petites mèches, ça fait plusieurs couleurs à prendre et il faudra surtout pas les remettre sur les papillons, vraiment juste les mettre dans les mèches. Mais bon, ça fait déjà bien si je rattrape juste les yeux, les bagues, les ongles, ça sera déjà bien et voir les mèches si j'ai envie de les faire. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cet unboxing. Alors cette toile, je pense pas la faire tout de suite parce qu'elle sera pour mars 2023, pas tout de suite. Donc voilà, vous aurez vu l'unboxing, vous verrez les toiles que je possède. Et si jamais il y en a que vous souhaitez voir ou que vous avez besoin d'informations avant de les acheter. Donc voilà, je vous ai un petit peu tout dit. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Salut!